encore une fois, il est parti de l'extérieur. Et regarde, ils sont dans Jeannot. Et Jeannot. Et maintenant, ils se retrouvent tous les deux là-bas, intérieur, extérieur. On se frottit, frottait, et c'est premier, deuxième. Bravo. Ouais, il s'est aimé. Encore une fois, la cinquième place n'est pas si mauvaise que cela. Mais bon, après, maintenant, ils vont se tenir roue en roue. Ça va être le tour joker entre les deux premiers. C'est parti très vite. Et on commence à prendre le rythme maintenant, ici, sur le circuit Philippe Chanoine. Et tiens, tu vois, même du coup, Flon revient sur les deux premiers. Et le duel est beau, là, entre la Melody et la DS3. Ce feuilleton, ça nous renvoie la lumière dans les yeux. Pour Olivier Nondoli qui est quand même la marque passionnée aussi, qui est seul à préparer et s'occuper de sa voiture. Olivier avec cette photo et devant Jeannot, Anodo. Quelle est belle cette enveloppe de cette Audi avec Julien Nondo qui est juste derrière lui. Ouais, mais c'est là la victoire sera au tour joker, ils sont collés tous les deux. Alors donc, qui font dans le tour joker pour le premier? Nicolas Plon qui est en troisième position, Gaz dans son visuel, l'arrière de la DS3. Oh, Alex Jeannot! Oh, ouais, joli! Oh, intérieur, intérieur maintenant! Voilà! Alors qu'il glissait, il est revenu. La DS3, génial! Je vous ai dit que c'était fabuleux. Et c'est Germain qui a pris la tête. On est deux dans son jeu. Oh, ça a failli! Ah non, mais il est malin! Il l'a vu! Il l'a vu! Il l'a vu! Oh, mais... à l'avant-droite! Oh, mince! La roue avant droite ouverte pour la DS3 de Julien Nodot qui s'arrête. Mais et c'est Alex Jeannot qui emmène Nicolas Plon dans le troisième tour. Toujours en mode division 3 dans cette première manche qualif'. Et c'est Jeannot qui en profite. Va essayer de devenir le roi Alexandre de Joux. Eh bien, ainsi, parce que ce matin, quand je lui dis, il a fait une excellente bête. Mais là, lui, de prendre le tour joker maintenant. Et il ne faut pas qu'il fasse la même chose. Voilà, Nicolas Flon derrière lui. Première et deuxième place. Il n'y aura pas beaucoup d'écart. C'est la sortie, bien comme il faut, à l'intérieur. Le gauche, la ligne d'arrivée, le drapeau à damier et le quatrième temps. Ouais, quatrième temps pour Alexandre Jeannot, 2 minutes 34, 564. À plus de 3 secondes 3 de la mise de Ferrand. Mais pourquoi on regarde le classement? Parce que dans la deuxième...